Oui, hop. Armée du Sporting, bonsoir. Bonjour. J'ai un chat dans la gorge. Nouvelle vidéo à propos de Charleroi Standard, ou Standard Charleroi plutôt, qui va se jouer ce dimanche à Sclessin. Bien sûr, on sait tous qu'il y aura un match dans le match, c'est-à-dire un match entre les supporters liégeois, c'est-à-dire les Standardmen et les Carolos. En tribune, il y aura match. Et sur le terrain aussi, il y aura match. Comment les élèves doivent prendre ce déplacement? Moi, je pense, je crois, qu'ils doivent se déplacer dans la même optique que contre Genk. Quand on s'est déplacé à Genk, je trouve qu'on a fait un de nos meilleurs matchs de la saison. Pour moi, ça reste le meilleur match. Même si on n'a marqué qu'un but et qu'il était bizarre, ben on a eu beaucoup d'occasions, on a vraiment bien joué, on était solide dans les duels, on gagnait les duels, les deuxièmes ballons. On avait de la réussite, quoi. Et dans tous nos gestes, pratiquement, et pas que de la réussite, il y avait des bons gestes réussis. C'était vraiment un beau match de football. Donc je pense qu'on peut aller au Standard avec la même optique que contre Genk, sauf qu'on pourra même jouer offensivement un peu plus, je crois. Si Charleroi y va pour amener les 3 points, ils peuvent jouer offensivement, parce que le Standard, on va pas se le cacher, le Standard, peu importe ce qu'on dit, ils vont mal pour le moment et depuis quelques saisons, mais ça change rien. Nous, on est Charleroi, on reste Charleroi. Standard mal ou Standard bien, nous, on veut les battre. Et voilà. Donc, à propos de ce match dans le match, j'espère, je touche du bois. Je touche du bois. Excusez-moi, je touche du bois. Deuxième fois. Pour qu'il n'y ait pas d'incident dans le match, pas de débordement extra-sportif, pas de cassure, pas de tag, pas de bagarre. J'espère que tout ça se déroulera dans le fair play, même si on connaît la rivalité dans ce derby. Et que même moi, Dieu sait que je déteste le Standard, mais pour le bien de notre équipe, si on veut que Charleroi remporte les 3 points, on devra les supporter, mais on ne devra pas jouer dans rentrer dans le jeu des supporters du Standard qui mettront une mauvaise ambiance, qui mettront une ambiance hostile directement, qui mettront la pression, et si on rentre dans ce jeu-là, on est foutu parce que l'année dernière on s'est fait manger tout cru, mais cette année, on compte pas se laisser faire comme ça. C'est pour ça que dans ce match, dans le match, ça va être très important de savoir gérer les deux. Les supporters, pousser notre équipe au max, mais rester dans le fair play comme vous le faites depuis si bien, depuis le début de la saison. Et laisser les supporters Standardmen dans leur haine et dans leur hostilité seuls. Et pour nous pourrions ramener 3 points et pourquoi pas faire même un gros score. Je crois que j'ai plus rien à dire sur ce match. À part que j'espère que Babi sera encore puissant comme il a été puissant depuis le début de championnat. Et que Kavereza ou David Paulet brillent encore, hein. Sur ce, amis du Sporting, à la prochaine vidéo et vive le Sporting.